Agent secret, c'est un dur métier. Le risque, la vitesse, le danger, l'aventure, la bagarre. Ah, il faut aimer ça. Mais on a bien le droit de déjeuner de temps en temps. Agent secret, drôle de métier. Pas toujours drôle d'ailleurs, parce qu'il y faut tous les talents. Avoir le coup d'œil, savoir déjouer les pièges ou les fabriquer, pouvoir jouer serré, être très malin, au moins autant que ceux d'en face. Plus même si on tient à sa peau. Il y a des compensations, heureusement. Le grand air, les paysages, les réceptions mondaines et dansantes, et les espionnes. Ah oui, surtout les espionnes. Toujours jolies, toujours dangereuses. Pratiquant le double jeu. Mais elles ne sont pas les seules. Et dans la mystérieuse affaire de l'attentat, il y avait une très jolie espionne. Belle. Mais belle à damner un saint. Saint Antoine, par exemple. Dit Antoine Fabre. Dit Antoine Martel. Dit Antoine Donadieu. Entre autres. Il y avait aussi des espions. Pas très jolis, ceux-là. Organisés, coriaces, efficaces, cruels et armés d'un certain rayon de la mort. Et alors, tout recommence, un train d'enfer.